À 67 ans, Christine Bravo rayonne. Mariée depuis un an à Stéphane Bachaud, l'animatrice de télévision a décidé de quitter la capitale pour s'installer sous le soleil de Corse. J'adore vous promener dans ce cadre sublime, comme vous le voyez, je me suis installée dans un endroit touristique, j'ai choisi l'austérité du maquis, loin de toute civilisation, pour la paix et la beauté des hauteurs de la Balagnée, avait confié l'ami de Laurent Ruquier, en octobre 2022, sur ses réseaux sociaux. Dans le petit village d'Ocatana, où elle vit désormais, la grand-mère de Paolo aime accueillir ses amis au sein de son moulin. Ce samedi 2 septembre, elle a par exemple reçu la visite d'un certain Thomas Dutronc. Durant cette soirée, le fils de Jacques Dutronc a réservé une belle surprise à Christine Bravo et son époux, comme l'a révélé l'animatrice sur son compte Instagram. Soirée au moulin avec mon ami Thomas Dutronc qui nous a fait le cadeau inouï, à mon mari et moi, de nous faire écouter ses nouvelles chansons, juste à la guitare. Avant l'enregistrement de son prochain album. Texte et musique juste sublime. Vous me connaissez, si je ne le pensais pas, je n'en parlerai pas. Love him so much, a-t-elle écrit en légende d'un cliché d'elle et du chanteur, prenant la pose tout sourire et guitare à la main. Supérieur à Christine Bravo, Stone, Herbert Léonard. Ces stars qui ont révélé le montant de leur retraite et Thomas Dutronc présent au mariage de Christine Bravo preuve de leur belle amitié, l'interprète de Jamie Plus Paris faisait partie des personnalités conviées au mariage de Christine Bravo, célébré en Corse, en juin 2022. Pour l'occasion, Thomas Dutronc avait là encore fait un joli cadeau à l'animatrice télé, en donnant un concert privé sur la plage. Depuis cet événement, le chanteur est apparu plusieurs fois sur le compte Instagram de son amie, devenue sa voisine et avec laquelle il partage la passion de la musique. Crédit photo, best image.